Un million de personnes meurent dans le monde des suites du paludisme. Le colloque organisé à Abidjan pour faire reculer la pandémie a fermé ses portes. Des experts venus de plusieurs pays ont fait des recommandations et nous en parlerons dans ce journal. La Côte d'Ivoire et l'UNESCO ont signé un accord siège. Grâce à cet accord, plusieurs projets, notamment l'éducation pour tous, verront le jour. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara, est en ce moment en France. À l'étranger, un militaire israélien accuse le régime syrien d'utiliser des armes chimiques. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN réunis à Bruxelles réaffirment leur vigilance face à l'aggravation du conflit syrien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Avant de développer ces titres, sachez qu'après une pause due aux élections couplées municipales et régionales, le Conseil des ministres a repris ce matin au palais présidentiel. La vie de la nation était au cœur de ce conseil. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les enseignants, vous le savez, ont levé leur mot d'ordre de grève. Notre équipe de reportage a parcouru plusieurs établissements pour voir si les cours ont effectivement repris. Partout où elle est passée, les enseignants étaient à leur poste. Des élèves en pleine interrogation écrite, d'autres au cours d'allemand et d'éducation physique et sportive, signe de la reprise effective des cours dans cet établissement. Nous sommes au collège moderne de Cocody, un établissement où le mouvement de grève a été largement suivi. Nous avons effectivement repris les cours depuis le lundi 22 avril. La présence des professeurs est massive. Nous sommes contents de reprendre les cours. Actuellement, nous sommes là pour faire une interrogation d'allemand. Deuxième étape de cette randonnée dans les établissements, le lycée moderne classique de Cocody. Ici, tout le monde est à son poste. Chef d'établissement, membre de l'administration, élèves et professeurs. Le proviseur souligne que la grève n'a pas été suivie à 100% dans son établissement. En fait, nous n'avions pas interrompu complètement les cours puisqu'il y a une bonne majorité de professeurs qui venaient. Mais depuis lundi, tous ceux qui faisaient défection, tous ceux qui manquaient à l'appel sont effectivement présents. Le lundi, nous avons repris les cours normalement. En ce moment, nous sommes en train de faire le cours de philosophie. Portail fermé à l'école primaire publique de Danga, pas parce que la grève se poursuit ici, mais aujourd'hui, un jour de repos pour les élèves du primaire au niveau national. Le constat de cette tournée indique que les enseignants ont effectivement repris les cours. À l'origine de cette grève, une ponction sur le salaire des grévistes après une première grève initiée par l'intersyndicale des enseignants qui réclamait de meilleures conditions de vie et de travail. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara, est en ce moment en France. Elle a procédé hier à la signature de l'accord siège entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Et cette signature permettra le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Une retombée de la visite en juin dernier de la directrice générale de l'UNESCO à Abidjan. La signature de l'accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et l'institution. La présence de l'UNESCO sur le sol ivoirien lui donne désormais vocation à veiller sur l'application des accords de siège qui régissent les relations entre le pays hôte et l'organisation internationale. Irina Bokova indique que l'ouverture de ce bureau devrait faciliter le suivi de la coopération avec le pays. Une vision partagée par le ministre Kandia Camara. Elle n'a pas manqué de saluer ce nouvel élan insufflé par l'accord. La directrice générale de l'UNESCO était à Abidjan autour du mois de juin. Elle a pris part au Forum international sur la paix en Afrique de l'Ouest. Irina Bokova avait insisté auprès du président de la République sur l'urgence d'accélérer le partage du savoir dans le pays et dans la sous-région. On s'intéresse maintenant à la santé. Le deuxième colloque scientifique national sur le paludisme qui a réuni des experts ici à Abidjan a pris fin hier. Ces experts ont fait des recommandations pour un meilleur suivi de la pandémie. On en parle avec Honorine Anigori. Les chercheurs étaient à l'honneur de cette rencontre pour d'autres trouvailles dans la lutte contre le paludisme. Des médicaments efficaces pour lutter convenablement contre le paludisme existent, notamment les nouvelles molécules qu'on appelle des combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de l'artémisinine ou CTA qui combinent deux médicaments pour lutter contre le paludisme simple. Il y a également des médicaments pour lutter contre le paludisme grave qui sont également disponibles dans les centres de santé. Les populations apprécient les efforts des chercheurs. Si les chercheurs ont trouvé des médicaments, ils doivent plus travailler pour trouver certaines choses encore, pour qu'il n'y ait plus cette maladie-là encore, ici. Et on doit atteindre 100% de niveau
pour ceux qui n'ont plus le palu, quoi. Bon, je pense que c'est bien parce que le palu tue. En tout cas, bon, le palu même tue rapidement que le sida. Bon, ils ont trouvé les médicaments, j'espère que les médicaments vont nous soigner. La tutelle donne l'assurance de répondre aux préoccupations du colloque. J'ai pris bonne note des recommandations de ce colloque et je m'engage au nom du gouvernement à prendre les dispositions utiles pour leur mise en œuvre dans l'intérêt du bien-être de nos populations. Ce colloque est organisé en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue pour le lundi 29 novembre 2013 à Tiassalé. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la proclamation des résultats des élections couplées municipales régionales. Hier, la CEI a proclamé les résultats dans plusieurs circonscriptions, notamment les communes de Port-Boué, où la candidate du RHDP, Hortense Akangui, a remporté le scrutin. À Adjamé, c'est Youssouf Sila qui a été élu. À Bobo, Adama Tungara, la CEI a proclamé hier les résultats dans les communes de Tabo, à Bengourou, à Coupé ou encore Vavoie. La commission électorale indépendante va proclamer de nouveaux résultats aujourd'hui et ce sera bien sûr en direct sur nos antennes. Les résultats définitifs de ces élections municipales et régionales ne sont pas encore connus, vous le savez, mais si l'on s'en tient aux résultats partiels, les candidats indépendants sont en tête. Marie-Laure Ngora revient sur les tendances des partis politiques. Élections couplées municipales et régionales. Le verdict des urnes pour les municipales publié depuis lundi. Selon les premiers résultats partiels proclamés par la commission électorale indépendante ce 22 avril, les candidats indépendants sont en tête. Les résultats de 82 circonscriptions proclamées par le porte-parole de la CEI, Enza Diomandé, donnent la majorité aux candidats indépendants qui obtiennent 32 communes contre 23 pour le Rassemblement des Républicains, RDR, et 23 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, obtient, selon ses premiers résultats, 3 communes, quand le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'en sort avec une seule. Les résultats déjà proclamés concernent en grande partie les petites circonscriptions électorales du pays, précise Enza Diomandé, qui souligne que la compilation des résultats au niveau des grandes circonscriptions prend du temps. Au regard des résultats publiés, selon le porte-parole de la CEI, Enza Diomandé, le taux de participation s'est amélioré, passant de 30 à 60%. Les résultats continuent d'être proclamés par la CEI. Juste après la proclamation des résultats, des violences ont éclaté dans plusieurs communes. On assiste à un cycle de violences ici à Abidjan et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Des candidats contestent ces résultats. La commission électorale indépendante appelle au calme. Herman Niamia nous en dit plus. Les nombreuses campagnes menées par la commission électorale indépendante CEI pour des élections apaisées seraient-elles tombées dans des oreilles de sourds? La question mérite d'être posée au regard du cycle de violences intervenues au lendemain des élections couplées municipales et régionales. À Abidjan, par exemple, les partisans de certains candidats pas d'accord des premières tendances, en quoi officieuses, se sont adonnés à des actes de vandalisme dans les communes de Koumassi, Adjamé et Trècheville. Ils réclamaient l'annulation pure et simple des scrutins parce que selon eux, ces tendances ne reflèteraient pas la réalité. Résultat de ces mouvements d'humeur, la perturbation du trafic routier dans ces localités et la fermeture des commerces. Comme à Abidjan, certaines villes de l'intérieur se sont également illustrées. On signale même des vols d'une à Bangolo et à Mbengue dans le nord du pays. Les enjeux de ces élections sont énormes, mais un seul objectif guide tous les candidats, apporter un mieux-être à leurs administrés. Les candidats et leurs partisans devraient donc comprendre cela et jouer la carte du fair play. Comme le montre si bien cette affiche de la commission électorale indépendante. Si tu as perdu, félicite le vainqueur, demain ton tour viendra. Ces élections suscitent l'intérêt au-delà des frontières ivoiriennes. La commission d'observation électorale de la société civile africaine a produit un communiqué préliminaire. Et ce communiqué est lu ici par le porte-parole de la commission, Tiakpe Ignace. Écoutons-le. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants en termes de démocratisation, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme et peut servir de modèle à d'autres pays en Afrique de l'Ouest et ailleurs en Afrique. Nous sommes convaincus que les Ivoiriens ont fait leur choix de manière calme,
pacifique et que les élections présidentielles de 2010 et les législatives de 2011 ont confirmé la maturité politique des Ivoiriennes et Ivoiriens. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée. Les électeurs sont sortis de façon timide dans la matinée et un peu plus engagés dans l'après-midi, avec un taux de participation moins élevé qu'aux élections présidentielles. Les libertés individuelles et collectives d'expression, de circulation des candidats et électeurs ont été respectées en ce jour de vote. Au vu de tout ce qui précède, la mission de la société civile africaine salue le sens civique du peuple ivoirien, note et apprécie le climat pacifique et serein qui a prévalu tout au long du déroulement des opérations de vote, félicite les candidats en lice pour leur haut sens de patriotisme doublé de leur engagement à renforcer les acquis démocratiques et la cohésion sociale pour une franche réconciliation des Ivoiriennes et Ivoiriens. Donne un satisfecit à la télévision nationale, notamment la RTI, pour le respect du temps d'antenne et son impartialité. Félicite le gouvernement et les institutions de la République, surtout la CEI et son président, M. Youssouf Bakayoko. Par toutes ces fins, la mission d'observation électorale de la société civile africaine considère que les élections couplées du 21 avril 2013 se sont déroulées dans le calme, dans la liberté, dans l'honnêteté et l'équité. C'était le porte-parole des observateurs africains. Les œuvres de l'esprit ont été massivement utilisées pendant la campagne électorale par les candidats. Plusieurs d'entre eux n'ont pas encore payé la redevance au Bureau ivoirien des droits d'auteur. Le Burida est sur le terrain pour sensibiliser les candidats. On en parle avec Marie-Laure Ngoro. Fini les élections couplées municipales et régionales. Place à la proclamation des résultats. Pendant que la commission électorale indépendante s'attelle à cette tâche, le Bureau ivoirien du droit d'auteur mène une campagne sur le terrain contre la contrefaçon. Le Burida s'adresse aux candidats aux élections couplées municipales et régionales du 21 avril dernier. La première responsable, Irène Vira, souligne « Le Burida ne lâchera pas prise, même après les résultats définitifs, les candidats élus ou non, qui auront utilisé frauduleusement les œuvres des artistes pendant leur campagne, seront poursuivis. » Aujourd'hui, le Burida a décidé de faire des constats par voie d'huissier, de requérir également l'aide des auteurs pour être vigilant sur l'utilisation de leurs œuvres. Même passé les élections, le Burida va entreprendre, va donner suite à une utilisation qui aurait été faite sans autorisation du Burida. Si vous êtes élu maire, si vous êtes élu président du conseil régional, vous n'êtes pas couvert par une quelconque immunité. Le Burida se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'endroit de tous ceux, élus ou non, qui auraient exploité les œuvres de l'esprit sans s'être munis au préalable de l'autorisation du Burida. Reste maintenant que l'appel soit entendu par les candidats. Et ces élections au couplet municipal régional marquent la fin du processus électoral en Côte d'Ivoire. Après plusieurs reports, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui ses élus. Et l'élection au couplet municipal et régional était la dernière étape après la présidentielle de 2010. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Avec les élections couplées du dimanche dernier, tout est en ordre pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Le 11 décembre 2012, c'était les législatives. Elles ont permis au pays de rafraîchir son hémicycle. Leur première session ordinaire 2013, d'ailleurs, s'ouvre ce mercredi à Abidjan. Ces dernières élections couplées, il faut le souligner, viennent mettre un terme au processus électoral lancé il y a déjà 2 années dans le pays avec les présidentielles. Elles ont été supervisées de bout en bout par la commission électorale indépendante. Dans la pratique donc, tout est aujourd'hui au vert pour que le processus de développement de la Côte d'Ivoire soit lancé. Les Ivoiriens en attendent beaucoup, en premier lieu, des actions concrètes pour faire bouger le processus de réconciliation nationale. Autre souhait, des initiatives pratiques de lutte contre la pauvreté et une réelle volonté à mettre fin à la mauvaise gouvernance et à la corruption. En dépit des remous ayant entouré ces scrutins, les dés sont jetés. Il faut travailler car l'horloge vers de prochaines échéances, elle, tourne.
On se rend maintenant à l'étranger. Le Parlement français a autorisé le gouvernement à prolonger l'opération militaire française au Mali. Mais ses effectifs doivent passer d'environ 4 000 à 1 millier d'ici la fin de l'année. Quelques 500 soldats français ont déjà quitté le Mali début avril. Moment d'émotion au Palais Bourbon. Une minute de silence en la mémoire des 5 soldats français tués dans le cadre de l'opération Serval déclenchée le 11 janvier. L'opération se déroule au Mali depuis exactement 3 mois. Mais elle ne peut se poursuivre au-delà de cette période qu'après l'autorisation des parlementaires. C'est donc à une véritable opération de charme que Jean-Marc Ayrault s'est livré lundi devant les députés français. Le Premier ministre a notamment souligné que l'intervention militaire française au Mali était une réussite politique et militaire. La reconquête du territoire malien conduite par nos troupes, alliées aux forces armées maliennes, et aux soldats tchadiens et nigériens, a été remarquablement menée. La France doit désormais aider le Mali à gagner la paix. Jean-Marc Ayrault a convaincu la majorité des députés français. En faveur de la prolongation de l'opération Serval, ils sont 342. La parole est à Monsieur Pierre Lelouch. Parmi eux, les élus UMP. Mais ces derniers émettent quelques réserves. La vérité, c'est que le Mali n'a jamais su créer une unité véritablement nationale sur son territoire. Une question centrale obère la suite de notre intervention, Monsieur le Premier ministre, celle de la reconstruction d'un État malien viable. Sur place au Mali, pas de polémique, pas de débat. Le vote des députés et des sénateurs français en faveur de la prolongation de l'opération Serval est accueilli avec soulagement. La France, je peux dire, a sauvé le Mali. Alors, beaucoup a été fait. Il reste encore quelques difficultés. Je pense que cette prolongation permettra vraiment à résoudre définitivement le problème. Ce député malien et ses compatriotes attendent maintenant la prochaine étape, la conférence des donateurs initiée par le président français François Hollande. Cette conférence qui doit réunir des fonds pour la reconstruction du Mali est prévue pour le 15 mai à Paris. Et puis sachez que l'armée française a passé hier le relais à l'armée du Burkina Faso à Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, pour conduire les opérations de sécurisation de la ville et de sa région. Un attentat à la voiture piégée a visé hier l'ambassade de France à Tripoli, blessant 2 gardes français et provoqua d'importants dégâts. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est rendu à Tripoli et a condamné, je cite, un attentat lâche et odieux. Laurent Fabius a annoncé qu'un juge antiterroriste français était attendu à Tripoli pour enquêter sur l'attaque. Le président français François Hollande, dont le pays a participé à l'opération militaire internationale contre le régime Kadhafi, a indiqué attendre de la Libye que toute la lumière soit faite sur cet attentat qui a été condamné à travers le monde. Direction maintenant la Syrie. Un militaire israélien accuse le président syrien Bachar Assad d'utiliser des armes chimiques. Les ministres des Affaires étrangères des 28 pays de l'OTAN réunis à Bruxelles ont réaffirmé leur vigilance face à l'aggravation du conflit syrien. Alimenté en armes et munitions et conforté dans sa stratégie par Téhéran, le président Bachar el-Assad est toujours attelé à sa gigantesque opération de châtiment collectif à travers le pays. Ses forces bombardent inlassablement la périphérie de Damas, appelée la Ghouta, et mettent désormais tout leur poids à reprendre la ville de Qusayr pour sécuriser la route reliant la capitale au littoral. Pour sauvegarder son pouvoir, le président syrien semble prêt à tout. Un responsable du renseignement militaire israélien a affirmé ce mardi qu'il utilisait des armes chimiques mortelles telles que le gaz sarin contre les rebelles. De son côté, affaibli par la démission de Moaz el-Khatib, le président de la coalition nationale syrienne, l'opposition s'est dotée d'un président par intérim pour assurer la continuité. À peine nommé, Georges Sabra a aussitôt revu à la hausse les tueries de Jdeidet el-Fadl et ses environs, les plus importantes selon lui depuis 2 ans. Il y a plus de 500 morts et au moins 1000 blessés. Certains ont été tués au couteau et par des moyens barbares. C'est quelque chose d'incroyable.
Il a également dénoncé la participation du Hezbollah chiite libanais au combat de Qusair, la qualifiant de déclaration de guerre contre le peuple syrien. Sur fond de chaos et venant ajouter à la confusion, deux dignitaires chrétiens d'Alep, les évêques Yohanna Ibrahim et Paul Yazji, ont été enlevés alors qu'ils étaient en mission humanitaire. Selon le diocèse orthodoxe syrien, les ravisseurs seraient des djihadistes tchétchènes. Une nouvelle affaire de viol replonge l'Inde dans l'émotion et la colère. 4 mois après le mouvement de révolte déclenché par le viol d'une étudiante dans un bus, une fillette de 5 ans a été sauvagement agressée. Les manifestants exigent la démission du chef de police. Cet homme est suspecté d'avoir enlevé et violé une petite fille de 5 ans à New Delhi. Lui et son complice présumé sont sous les verrous. Mais ce nouveau fait divers sordide ravive la colère de l'opinion indienne, déjà traumatisée par le viol collectif et le meurtre d'une étudiante en décembre. 4 mois après, les manifestants sont de nouveau dans la rue. Une mobilisation quotidienne depuis l'hospitalisation de la fillette samedi. La colère est forte contre la police, accusée d'avoir voulu acheter le silence de la famille contre 2000 roupies, 28 dollars. La police ne fait rien du tout. Elle veut juste nous contrôler. Elle est corrompue. Nous voulons la sécurité pour les femmes. Est-ce que c'est trop demandé? Si on ne demande pas protection à la police, alors à qui? Le chef de la police doit démissionner. Pas de démission, mais un mea culpa de la police, qui dit avoir suspendu les fautifs. Insuffisant, il faut les inculper, répondent les manifestants. De son côté, le gouvernement, plus vif que d'habitude, a rapidement dénoncé cette nouvelle agression. L'agression cruelle contre une petite fille, il y a quelques jours, nous rappelle encore une fois la nécessité de travailler collectivement pour éradiquer cette sorte de perversion de notre société. Des propos pas assez fermes pour l'opinion publique, déçue également par la nouvelle loi anti-viol, votée il y a un mois sous la pression de la rue. Il y a une loi, mais elle n'est pas suffisante. Je pense que le problème est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important et nécessite d'être traité avec sérieux. Mais ici, on ne fait pas les choses sérieusement. La prise de conscience est lente. Selon Human Rights Watch, c'est tout le système police-justice qu'il faut réformer d'urgence. Dans un rapport récent, l'ONG dénonce la grande fréquence des viols en Inde, en particulier contre les enfants. Des agressions cachées, rarement signalées, et trop souvent encore étouffée par les autorités locales. Dans le reste de l'actualité, la poursuite de l'enquête aux États-Unis sur l'attentat de Boston, des diplomates américains interrogent les parents des suspects. Jokhar Tsarnaev encourt la peine de mort. L'auteur de l'attentat du marathon de Boston a été inculpé par la justice fédérale américaine sur son lit d'hôpital. Les charges comprennent notamment l'utilisation d'armes de destruction massive ayant entraîné la mort. Une première audience a été fixée au 30 mai devant le tribunal fédéral de Boston. Un hommage a été rendu aux victimes du double attentat commis par les deux frères d'origine tchétchène qui a fait 3 morts et plus de 200 blessés. La police canadienne a déjoué un projet d'attentat visant un train de passagers sur la liaison New York-Toronto. Deux hommes, dont la nationalité n'a pas encore été précisée, auraient projeté de faire dérailler le train. La police canadienne a annoncé qu'ils avaient reçu du soutien d'Al-Qaïda en provenance de l'Iran. Des accusations jugées ridicules par les autorités iraniennes, elles-mêmes en guerre contre Al-Qaïda. Les liens diplomatiques entre l'Iran et le Canada sont rompus depuis septembre 2012. Au moins 27 morts et 70 blessés dans des affrontements entre manifestants sunnites et les forces anti-émeutes irakiennes. Des centaines de manifestants hostiles au Premier ministre chiite Nouri al-Maliki faisaient un sit-in depuis plusieurs semaines dans la ville de Hawija, au nord de Bagdad. Les forces anti-émeutes auraient donné l'assaut sur la place occupée après expiration d'un ultimatum. L'opération a tourné au bain de sang. Des tribus des villages voisins ont attaqué les postes de contrôle de l'armée en représailles, faisant 13 morts supplémentaires. Nouvelle tension diplomatique entre la Chine et le Japon. Une flottille chinoise de 8 navires est entrée mardi dans les eaux territoriales disputées des îles Senkaku, actuellement administrées par le Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a prévenu qu'il repousserait toute tentative de débarquement. Au même moment, les parlementaires japonais effectuaient leur visite annuelle au très controversé sanctuaire Yasukuni.
là où sont enterrés des militaires japonais que Pékin considère comme des criminels de guerre. Je rappelle en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire qu'après une pause due aux élections couplées municipales et régionales, le Conseil des ministres a repris ce matin au palais présidentiel. La vie de la nation était au cœur de ce conseil et vous en saurez plus ce soir dans l'édition de 20h. Sachez également que les enseignants ont levé leur mot d'ordre de grève. Les cours ont repris. Les enseignants sont à leur poste pour éduquer les enfants de Côte d'Ivoire. Fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Ne baissez jamais les bras et n'éteignez jamais en vous la flamme de l'espoir. À bientôt.